Je m'appelle Sandra Fabin, je suis née en 1971 à Sarreguemines et j'ai grandi à Wolmunster. J'ai mesuré à cette époque-là le bien fondé des associations parce que j'ai grandi dans une famille où papa était président de foot, maman était présidente d'association de théâtre en dialecte, ma grand-mère était présidente du troisième âge, donc c'était hyper dynamique chez nous à la maison. J'ai décidé ensuite de faire mes études à Colmar où je suis partie pour apprendre le commerce. J'ai vraiment souhaité approfondir par un stage d'étudiant aux États-Unis où je suis partie 2 mois et demi au Texas. Et chose incroyable, j'ai été dans un village alsacien puisqu'il a été fondé par des Alsaciens venant de Sainte-Marie-aux-Mines. Et tous les après-midi vers 16h, j'avais les papilles qui venaient faire le petit café clatch avec moi parce que je parlais un peu le dialecte à l'époque. Et c'était très très enrichissant de découvrir une nouvelle culture, des nouvelles façons de vivre. C'était vraiment un bon moment. Mon stage de deuxième année, je l'ai fait à Karlsruhe chez Siemens en Allemagne. Je suis encore allée faire une année de commerce européen à Metz. Et ensuite, je suis allée vivre à Paris. Et là, c'était une aventure incroyable. Après 3 années, malheureusement, l'espace vert, les forêts, comme on les a ici, me manquaient et je suis revenue sur le pays de Beach. Mon mari, par son goût de la nature et son amour de la nature, m'a permis aussi de découvrir les richesses qu'on a ici. Je travaille pour une société américaine qui fabrique des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantables. Je suis aussi adjointe à la commune de Montbrogne. Par le biais de ce poste d'adjoint, c'est vrai que je suis aussi à la communauté de communes du Pays de Beach et là je mesure combien chaque décision qui est prise impacte notre avenir. Les échanges entre nous sont importants et la Covid freine un petit peu tout ça. J'attends avec impatience la chute de toutes ces barrières qu'on a dû mettre en place pour se protéger, pour qu'on puisse de nouveau discuter, partager, passer du temps ensemble. On a la volonté de faire changer notre avenir ici au Pays de Beach. En avant Beach Irlande.